allez à la cannelle, les mecs. Allez. Hey, that's me, the girl on the second floor. Ah. Petite musique d'ambiance, s'il vous plaît. Second floor. Vas-y, hein, faut ouvrir en fait. Ah d'accord. Ah, it's a door. It's not a door, automatic door. What is the number of the room? 203. This is 2011. It's over there. Normalement, on a une plus belle chambre. Ah, l'étiquette a été déchirée pour montrer que c'est la première fois qu'on rentre dans la chambre. Sensation garantie. Ça fait plaisir. Bon, mes petits loulous, mes petits coquins, nous voici arrivés dans la ville de La Canée. Donc, nous venons de visiter Reptimnon. On y a passé quelques heures à peu près. On monte en grade hein, en termes d'hôtel. On a commencé par un 3 étoiles. Nous voici dans un 4 étoiles. Et du coup, bah, là, il est quelle heure? Il doit être aux alentours de 15h30, 16h. On va aller faire un petit tour dans la piscine pour se faire du bien, se rafraîchir. Et puis, bah, on va aller manger dans la ville. Donc, on va voir ce qui s'y passe. Allez, allons-y. On va aller manger à La Canée. Ouais, j'ai mis mes lunettes. Et alors, ça te pose un petit problème? Ouais, c'est pour la protection de mes yeux. Et alors? Donc, on marche là, là où le vent nous emmène, direction du port, pour aller se restaurer. Et passer un bon moment, parce que c'est ça la vie. Alors un des grands mystères de la Crète, effectivement, qu'on retrouve partout dans toutes les villes et sur la route, c'est des bâtiments abandonnés. Parfois au milieu de nulle part et parfois au milieu de la ville. C'est très récurrent. Là, j'ai un exemple concret, vous allez voir. Voilà, regardez ici. Donc, tu as la vue sur le coucher de soleil, tu as la mer, les remparts de ce côté-là. Donc, c'est quand même un cadre de vie plutôt agréable, je dirais. Tu as un restaurant très bien situé ici, donc qui a vue sur le coucher de soleil. Et là, tu vois donc à côté ici, un truc complètement abandonné et défoncé, ce qui dénature vraiment le paysage, le cadre. C'est extrêmement dommage et c'est vrai qu'on voit beaucoup de bâtiments abandonnés ou même de maisons en construction abandonnée. Voilà encore un exemple de construction abandonnée. Vous voyez là sur la droite une maison flambant neuve qui m'a l'air bien récente. Et là en plein milieu, et ben une habitation complètement abandonnée, détruite. Hein, vous voyez, même le terrain est même pas entretenu. Donc, je vous parlais précédemment d'endroits un peu abandonnés. Donc là, vous voyez, on est vu de l'hôtel. Et là, vous voyez, des bâtiments abandonnés. Donc, voilà, c'est très récurrent. Et même dans la ville, à proximité d'hôtels, par exemple. Dans une rue, là, autre bâtiment abandonné. Je vous dis, il y en a vraiment partout, partout. Assez parlé et passons aux choses sérieuses de...
aujourd'hui on se balade dans la Canée pour une balade dans la ville. Et là vous le voyez, nous sommes à la rue Karaïs Kaki Georgiou. Ok. Toujours en promenade avec la place Marco Polo. Hey Marco Polo. Allez, on continue la visite. Et juste en face, le Mida. Jean-Paul, il avait son hôtel.